Lucie s'élance pour la finale à 17h24. Elle sait ce qu'elle veut, on la sent déterminée. Tout va bien jusqu'à la porte numéro 16. Puis elle fait une erreur de gîte, une petite touche et le rêve s'envole. J'aurais bien aimé finir mon parcours sans faute de haut en bas. Il en a manqué un peu, mais ça viendra. Beaucoup plus tôt dans la matinée, elle s'isole en compagnie de son premier entraîneur, celui du club d'Uzerche. Le changement de main, t'as bien appliqué là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était bon ça. La jeune athlète vient de vivre sa première année chez les seniors, elle a la pression. Depuis petite, je l'accompagne, j'essaye de lui apporter aussi la petite chose qui peut faire la différence. D'harmoniser si vous voulez tout ça quoi. Mais encore une fois, c'est elle qui fait quoi. Puis Lucie reconnaît le parcours en compagnie de l'entraîneur de l'équipe de France. Garde ta lucidité pour bien être à des parcours. À ce moment de la journée, tout est question de concentration. On n'a pas le droit de descendre sur le parcours avant, d'où l'importance du temps qu'on vient d'avoir, où on voit des ouvreurs passer, où on observe pendant longtemps. Ils n'ont pas eu le droit de s'élancer dessus. Et la variété possible des figures est telle qu'on n'a jamais exactement fait ce parcours-là à l'entraînement. À 13h10, elle est au départ de la demi-finale, son objectif de la journée. Elle attaque parfaitement son parcours, les trajectoires sont courtes, elle est dans la bonne dynamique et c'est une joie toute relative au moment de l'annonce du résultat. Elle est qualifiée. Ça passe. C'est que du bonheur là. Et maintenant il y a plus rien à perdre. Il y a tout à gagner. Voilà. C'est excellent. La finale était inespérée. Le reste, ça n'est que du bonheur. Lucie Priou fait désormais partie des athlètes sur qui il faudra compter dans le canoë mondial, avec en ligne de mire Tokyo 2020. Et sur place en direct de Pau, nous retrouvons Franck Petit, André Abalot et Lucie Priou. Franck, qu'est-ce que notre corrézienne pense de ses tout premiers mondiaux ? Écoutez, Lucie me disait qu'elle n'avait jamais eu autant la pression qu'aujourd'hui. C'était sa première vraie compétition élite et elle termine 7e de sa catégorie en championnat du monde. C'est quand même pas mal du tout. Lucie, vous vous sentez comment ce soir ? Déjà plus relâchée que parce que j'ai passé vraiment une journée bien tendue et bon c'était quand même c'était génial, c'était exceptionnel. Moi là je suis très très heureuse, forcément un petit peu déçue parce qu'on veut toujours faire mieux, on veut toujours. Vous étiez chez vous, il y avait votre famille, il y avait votre club, il y avait les supporters d'Uzerche qui étaient là, il y avait tout le monde quoi, vous aviez une pression d'enfer. Oui, et puis au-delà de tout ça, il y avait toute la famille française du canoë-kayak qui regardait et qui attendait à ce qu'on fasse de notre mieux. Et que ça soit pour soi ou pour les autres, j'avais envie de montrer ce que je pouvais faire. Et voilà. Et c'est réussi ? Partiellement. Je pense que j'ai montré un beau potentiel. Déjà, d'aller chercher cette finale, c'était vraiment un enjeu, un défi. J'ai réussi à passer le cap. Après, la suite, ça a été que du bonus, que du plaisir. Et j'étais dans la course jusqu'à la 16. La demi-finale, c'est ça le plus compliqué pour un athlète. Expliquez-nous pourquoi. Parce que sur la demi-finale, il n'y a que 10 bateaux qui passent en finale. Donc c'est vraiment très peu. Et puis on peut tout perdre comme tout gagner. C'est vraiment la course où on a, pour moi en tout cas, je trouve que c'est la course où on a le plus de pression. Parce que c'est là où il y a le plus d'enjeux finalement. Une fois qu'on est en finale, on ne peut que gagner. On ne peut que faire mieux, voilà. C'est quoi l'objectif maintenant pour vous, la prochaine grosse échéance ? De repasser par la case départ, c'est-à-dire les sélections équipe de France senior. Parce que rien n'est acquis, il faut retourner au travail et se sélectionner. Et en suivant, après une autre saison internationale avec des championnats du monde senior à Rio, sur le bassin des Jeux Olympiques. Et après, c'est Tokyo 2020 ? Ouais, voilà, on l'a en ligne de mire, c'est l'objectif. C'est vrai qu'on avance année par année, pas à pas, mais on le regarde bien au loin et on espère que ça va le faire. Et Paris 2024, vous auriez 27 ans, c'est jouable ? Ah oui, pour moi, dans ma catégorie, je serais plutôt assez mature. Ici, là, je suis une des plus jeunes du circuit et Paris 2024, ça va être un bel objectif. Bah écoutez, Lucie, on vous remercie. On vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur. Et vous l'avez compris, on n'a pas fini d'entendre parler de Lucie Priou en Limousin, en France et même partout dans le monde.